Latifa. Qu'est-ce que ça représente pour vous cet événement? Écoute, c'est un événement extrêmement, sur le plan symbolique, extrêmement fort. Et je crois que c'est cet événement-là aujourd'hui marque la nécessité de la réconciliation entre à la fois le peuple belge, mais également le peuple congolais. Et au-delà de ça, c'est pas seulement une question d'indépendance, mais c'est véritablement une question de la souveraineté de l'ensemble de la République. Il faut voir plus à la bagotte. Toi, t'as la carte, maman, j'ai la maman. Oh non, mais qu'est-ce que tu veux venir à vous là? Qu'est-ce que tu veux venir à vous là? Tout le monde a fait venir. Nous savons que vous préparez déjà les élections. Il n'y a rien pour rien. Nous savons que vous préparez déjà les élections. Pourquoi vous dites ça? Quelles sont vos impressions? Hein? Les impressions pour moi, c'est un très bon geste. Mais sincèrement, comparativement à la situation actuelle, et comme il y aura les élections au mois d'octobre, c'est avec. Donc le politicien Serge a déjà aménagé les marchés pour avoir des électeurs. Et j'espère que ça soit vraiment quelque chose de sincère, du coup avec leur cœur, mais pas surtout pour l'objectif politique. Je vous remercie. Oui, mais le conseil communal de la ville de Bruxelles a voté à l'unanimité, majorité oui, ça, comme opposition. Oui, ça c'est très bien. Ça c'est très bien, ça on doit être reconnaissant. Et c'est pourquoi, même lors des discours, tout le monde a eu à remercier le bourgmestre de la commune de Bruxelles. Parce que vraiment c'est un acte vraiment louable pour faire cette reconnaissance. Merci. Thank you.